Du coup, les gars, là, on est parti toute une semaine dans la forêt noire avec mon bon ami Guigui, alias Guillaume. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va juste faire de la rando. Moi, je vais vlogger et faire des photos. Et voilà, vous êtes en plein dans le vlog photo, du coup, de notre trek en forêt noire. On va faire 3 boucles. Et puis, on fait des visites. Aujourd'hui, on s'est arrêté à Strasbourg. Et on vous met une petite compile. Yo les gars, après 6 heures de voiture, on est à Neuenberg, un truc ainsi, dans la forêt noire, avec notre très cher Guillaume. Putain, on a un contre-jour de ouf. Ouais, 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 le soleil, il est ici. Et du coup, on va vous montrer un peu où on va camper, etc. Mais là, on a posé la caisse tout là-bas. Et voilà, on va sortir le drone, on va bien s'amuser. Mal et le nombre de sentiers de randonnée. Ok, là on a décidé de l'endroit où on allait poser la tente et dormir. Bon, je vais tout choper à la caisse. Puis ben, on monte tout, on sort le drone et on vous montre le paysage. Super bien fait ce bruit. Quasi fini de s'installer, il reste juste Guillaume qui met ses affaires. Là c'est là où on dort du coup. On sera un peu Gucci, serré, collé, serré. En fait on s'est dit que dans les 3 balades, il y a un point culminant, et à ce point culminant, on pèterait une petite canette pour fêter l'ascension. C'est en août l'ascension, non? Bah, faut pas oublier qu'après chaque effort, il y a un réconfort. Voilà, sur ce, bisous. Du coup, aujourd'hui, on va faire le circuit du Belchen. Donc, c'est le deuxième point le plus haut. Petite correction, c'est le 4e sommet de la forêt noire. Donc, le plus culminant de la forêt noire. Et ici, on est en petit déjeuner. Petit thé vert, thé qui s'appelle le
Secret du Bouddha, un de mes préfs, goûter. Et ici, petit déjeuner, rien de trop grassouillet, quoi. Santé. Petit fromage de chèvre, petite baguette de la région. Et tantong, on va tester du petit sauciflard, voilà. On va se mettre bien. C'est parti, on commence la petite marche. On a 12 kills à faire, ça. Un peu plus, ouais. Ouais, du coup, voilà, ça part et on vous met des photos et des vidéos. Et on se retrouve à notre prochaine petite pause. On n'est pas à la pause, mais ici on vient de rentrer dans le vif du sujet. Les gars, faut savoir qu'on a commencé la rando, on était à 751 mètres de dénivelé. Et comme je dis tantôt, le plus haut, c'est le deuxième point culminant de la forêt noire. Ce sera 1400 et des poussières. Wow ! Et regardez déjà juste la vue qu'on se mange, alors qu'on n'est même pas tout en haut, quoi. Plus que quelques mètres et on arrive au sommet. Et voilà, premier sommet du jour atteint. Bon, en fait il y en a qu'un ce matin aussi. Ok les gars, du coup là on est tout en haut, donc on est à 1400 et des poussières. Là on va taper le petit sauciflard, une vue de foufou. On va avoir des petites photos qui vont défiler après pour montrer, mais franchement dinguerie. On a quand même bien sué pour l'ascension. Et du coup, c'est quoi comme saucisson là? Là, c'est du pur terroir. Spécial de l'apéro. Okay. Là, c'est les trois petits cochons. Voilà. C'est pur provençal, pur porc provençal. Ouais. Voilà, on va se mettre tout bien. En plus, si on a du fromage pour accompagner, c'est le fromage de chèvre de la région aussi. Et franchement, ça tabasse, c'est trop bon. Ouais. Vraiment, c'est trop bon. Les trois cochons les gars, incroyable, il est vraiment trop bon. Mais on n'est pas venu ici pour manger de saucisson sur une belle vue, on est aussi venu pour péter une canne. Et du coup, on va boire de la sac grecque, bière de 1940, la création, pas celle-ci évidemment.
ça c'est des carabes apparemment. On dirait des noms de Pokémon. Alors là on a de la mousse et on voit que elle a sporulé, c'est-à-dire qu'elle a fait des petites tiges comme ça avec une petite capsule au bout. Et alors dans cette capsule il y a tous les spores utiles à sa reproduction. Alors ce qui est marrant c'est que elle sporule uniquement quand il y a beaucoup d'humidité dans l'air et beaucoup d'humidité tout court, parce que ça fait gonfler la capsule qui va exploser et disséminer ses sporanges et ses spores partout. Voilà. Petite galerie du scolyte qui en fait se nourrit de l'antre subère et l'écorce. Du coup, il bouffe en gros la sève et les mécanismes les faisceaux conducteurs qui conduisent la sève. Et donc l'arbre, il est en stress hydrique et après il crève. Voilà. On a fait la boucle, on a fait 12 km 53 précisément. Là on va décaler au prochain spot pour checker un peu où on va dormir. Il a 30 minutes de route donc on va reprendre l'auto. Là on fait une petite pause parce qu'on l'a bien mérité. On va grailler notre petite pomme, etc. Et puis on se retrouve un petit peu sur place. Ok les gars, donc la suite de l'aventure c'est que là, juste on est posé. Oh mec, t'as déchiré mon slip. Non mec.